Ce tutoriel concerne les imprimantes Canon Maxify s'affichant à l'écran. Le design de ces imprimantes a été pensé de manière à empêcher le retrait des cartouches tant qu'elles ne sont pas reconnues vides. Cependant, il existe un moyen de forcer leur remplacement en suivant les étapes ci-après. Tout d'abord, éteignez votre imprimante et débranchez l'alimentation secteur. Ensuite, ouvrez le capot. La tête d'impression est bloquée par la pièce blanche située au fond de l'imprimante, comme indiqué. Afin de la libérer, il suffit de tourner vers vous l'engrenage qui se trouve au fond à gauche de l'imprimante. Une fois que la pièce blanche est rentrée, vous voyez que la tête d'impression peut bouger. Pour éjecter la cartouche, il faut débloquer le bouton bleu en tournant cet engrenage. Tournez l'engrenage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic. Pour l'exemple, nous allons remplacer la cartouche jaune. Il suffit de déplacer la tête d'impression comme ceci, de manière à ce que la cartouche soit en face du bouton bleu. Appuyez sur le bouton bleu. La cartouche est éjectée. Attention, afin d'éviter un écoulement d'encre, retournez immédiatement la cartouche comme ceci, la sortie d'encre devant se positionner vers le haut.